Bien sûr, je vais enlever les cales parce que je mets toujours les cales. Oh, il est un peu dur. Non, il va sortir. Quand il est stationné sous le carport, je mets, à la place de mettre le frein à main, je mets toujours les cales. Oh, chouette, il pleut un peu. Ça fera du bien. Ça change un peu du soleil, là. Ça fait constamment du soleil, je sais pas combien de jours, là. En plus que c'est que le matin, ça rafraîchit, c'est bien. C'est agréable. Bon, il n'y a pas de voiture derrière? Non, parce que des fois, il y a des voitures, là. Des enfants. Pas que j'arrache tout. Aujourd'hui, c'est visite médicale pour le camping-car. On va au contrôle technique. J'espère qu'il va passer. Normalement, oui. J'ai fait des vérifications. Tout est OK. Je vous tiendrai au courant. Bon, avant de filmer, j'espère que je vais pouvoir filmer même à l'intérieur. Je pense pas, mais bon. On va voir. J'ai une promotion. 49 euros à place de 65. Visite camping-car 65. Exceptionnellement, 49. J'espère qu'elle va passer chez Autovision. Entre l'autoroute qui va à Metz, là, comme ça, ça va aller plus vite, là, un peu. Ça m'évite de traverser Thionville. C'est là que je vais taper tout le centre de Thionville. J'espère qu'il n'y a pas trop de circulation. En plus, on est week-end, bientôt le week-end. On est vendredi, là, déjà. Non, ça va. Parce que des fois, il y a des bouchons, là, c'est surtout l'après-midi, là. Les gens qui viennent du Luxembourg, là. Là, ça va, c'est tôt le matin encore. Ça peut aller. Sinon, ça bouchonne. Là, il y a tous les. Là, c'est la sortie Thionville Centre. Là. Il y a tous les grands garages. Là. Renault, là. Sur la droite. Là, on va passer à un pont, le pont de Bourgard. Ah, il y en a qui partent en. En vacances déjà. Volvo, Mercedes, qu'est-ce qu'il y a encore? Mini, BMW, tous les garages, les grandes marques. Carglass. Après, il y a un hôtel là. Audi aussi, ils sont tous regroupés. Là, on va traverser là, le pont de Bourgard. Il y a une belle église sur la gauche là. En dessous, il y a la Moselle. 530 mètres, fait, le pont de Bourgard. Normalement, on la voit pas la Moselle. Si, on la voit. Il y a quatre dômes, la centrale nucléaire. Voilà, c'est combien? C'est 90. Bon, ça va. Je suis pas en excès de vitesse. Au contraire, je suis en dessous de vitesse. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On passe par. On va passer par. On va sortir de l'autoroute là. On va passer par la ville un peu. C'est plus court par là, malgré qu'on doit traverser le centre-ville plutôt. On ira doucement là, il y aura la circulation, mais bon. Les feux, les piétons, tout ça. Mais c'est plus court. Hein. Il y a Peugeot aussi sur la droite. C'est l'endroit de idéal pour tomber en panne. Il y a tous les garages, les marques. Après, il faut pas tomber en panne. Hein. C'est mieux. Hein. Voilà, je suis. Quelle heure il est? 9h30. J'ai rendez-vous à 10h. Ça va. Je suis pas à la bourre, ça va. Alors, on est dans l'entrée de Thionville. Bon, Thionville Centre, non. On évite le centre-ville.
va passer à droite tout de suite. On va pas s'embêter, on va passer par là. Oh, on n'est pas loin. Je ne rappelle jamais où est-ce qu'il faut tourner, là, c'est là. Où est-ce qu'il y a le Carrefour Market là. Il doit être au fond de la route là. J'hésite toujours le où tourner, dans quel carrefour. Ouais, ça y est. Normalement, bientôt on doit le voir. Après le Carrefour Market, derrière, je crois. Ouais, il est là-haut. Là, je vois déjà le drapeau là-haut. Autovision sur la gauche. Ah, je me suis pas trompé. Ah, je suis toujours hésitant. Ça va. Je vais attendre maintenant mon tour. Il y a du monde? Non, ça va. Il n'y a pas trop de monde. C'est à moi. On va voir s'il passe. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. Il ressort déjà, non? Avec les vieux véhicules, on a toujours peur. Hein. Quand on va au contrôle technique, on ne sait jamais. Oh, ça va aller. Alors, en fait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Défaillance mineure. Ripage excessif, pneumatique. Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou pneumatique est manifestement sous-gonflé. État général du châssis, corrosion et tuyau d'échappement silencieux, disposition de jamais sans fuite ni risque de chute. Bon, ça va, je suis pas encore trop visite, on verra ça quand je reviens du week-end.